perché l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. L'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte da cui viene il grido. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Amici, chers amis, bienvenue à cette soirée qu'on appelait Giussani 100. La soirée est consacrée au centenaire de la naissance de Don Giussani, mais comme j'ai écrit ce matin pour le Sussidiario, le numéro 100 va avoir plus de signification. Ça veut dire sans monde, sans façon, sans éclair que Don Giussani, avec ses pensées, avec ses mots, ont allumé chez les gens qui l'ont rencontré,
directement ou bien indirectement, qui l'ont connu par ses écrits, par ses livres ou bien par d'autres personnes. Et le numéro 100 montre toutes ces significations. Au début de mes rencontres, je ne parle pas beaucoup parce que je pense que vous êtes tous là pour écouter des personnes qui ont de dire des choses très intéressantes sur Don Giussani. Et nous avons organisé cette rencontre à partir de l'expo virtuel sur Don Giussani que vous pouvez visiter au meeting. C'est seulement une partie de l'expo parce que l'expo qu'on a ici est tirée de l'expo virtuel. Dans cette expo virtuelle, les personnes que vous voyez ici ont fait des commentaires, ont fait des contributions, ont parlé de Don Giussani. Et c'est ça dont on va parler ce soir. Je vais vous présenter nos intervenants dans l'ordre dans lequel je vais leur donner la parole. Mère Maria Francesca Arrighi, sœur Maria Francesca Arrighi, qui est abbesse du monastère cistercien de Valserena. Le professeur Joseph Weiler, on ne va pas lire son CV et ses biographies parce qu'il faudrait au moins une demi-heure pour lire tous les articles et tous les livres qu'il a publiés. Eh bien, on est dans une famille, donc on n'en a pas besoin. Ben, professeur d'université à la faculté de droit de l'Université de New York et membre senior de l'équipe de recherche auprès du Centre pour les études européennes de Harvard, parmi d'autres choses. Hier, il m'a dit qu'il est venu ici de Pologne, où il fait des cours aussi en Pologne. Tu es en train de fréquenter un cours en Pologne. Après, tu vas nous le dire. OK. Professeur Fabrice Ajaj, qui est un écrivain et philosophe très célèbre, que vous tous connaissez. Beaucoup d'entre nous ont lu ses livres. Et professeur Guzman Karikiri, qui est vice-président émérite de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Il est un ancien ami du meeting. Ce n'est pas la première fois que vous êtes ici. Alors, je vais donner tout de suite la parole à Sœur Francesca. Il y a un entretien qui a été publié il y a quelques jours, qui a été publié sur le site de Communion et Libération, où il y a quelque chose qui m'a, disons, frappé et qui m'a intéressé. Elle a accompagné plusieurs fois Don Giussani en voiture. Avant, on parlait, tout à l'heure, on parlait de l'expérience très difficile qui était en voiture avec Don Giussani il y a quelques ans. Et dans cet entretien, elle a utilisé cette expression. Dans la voiture, il donnait des instructions péremptoires. Mais dans le dialogue personnel, dans la rencontre personnelle, tout ce qu'on voyait, c'était la liberté de la personne. Et voilà, donc c'est à guise d'introduction que je vais lui donner la parole. Et je crois qu'elle a aussi quelque chose à nous montrer, quelques photos, quelques images, si je ne m'abuse. Et donc on va les voir, j'espère. À vous. Merci beaucoup. Je suis très surprise d'être ici et de ce que je vois, mais tout simplement... je suis très surprise d'être moi-même là parce que j'ai rencontré le Christ en 1968
Et cela a coïncidé avec un choix de suivre la personne et des paroles de Don Juice. Cet espace de ma vie a duré jusqu'à 1977, année de mon entrée au monastère, donc très peu de temps qui a jeté les bases de tout le reste. Donc ma vie en monastère est plus longue que le meeting que je n'ai jamais vu. J'ai rencontré le Christ ou bien je me suis ouvert à sa présence par le biais d'une communauté de GS au lycée où j'avais été envoyée parce que dans l'école où j'étais et où j'appartenais au mouvement étudiant. Alors, je cherche à être bref, sinon vous m'arrêtez. Non, je ne pourrai jamais vous arrêter. Eh bien, dans cette école, j'appartenais au mouvement étudiant et ma classe avait été expulsée. Après, c'était dispersé. Et dans une école plus à la périphérie de Paris, j'ai rencontré une réalité vivante des personnes qui priaient et qui étaient présentes dans l'école. Mais la véritable rencontre avec le Christ, avec une forme de foi adulte, a coïncidé avec la rencontre avec Don Juice, Monseigneur Giussani, et le choix de suivre ses cours d'introduction à la théologie à l'Université catholique. Pour ma famille, c'était un choix à contre-courant, et donc j'ai dû payer le prix d'une année à l'Université d'État où, disons, il n'y avait que le marxisme. Après avoir passé le seul examen d'histoire du christianisme, j'ai demandé à changer pour aller fréquenter la philosophie à la catholique. Le seul but pour moi, c'était de suivre Monseigneur Giussani. C'était un choix à contre-courant par rapport à ma famille, aussi par rapport à l'université catholique, qui a précédé le mai français avec les manifestations. Et elle est devenue le leader de la gauche. Ça, c'était quelque chose que je ne savais pas. Beaucoup de gens qui suivaient Giussani ont quitté le mouvement, tandis que moi, que j'avais trouvé dans mes mains un livret placé dans mes mains par quelques camarades de l'école où j'avais été exilée, je suis partie, j'allais aux manifestations pendant que les gens criaient « Viva Marx !» J'ai lu fasciné le petit livre vert. Et puis j'ai fait un choix. Je devais choisir soit les manifestations, soit le petit livre vert. Et j'ai choisi ce dernier. À la fin du lycée, j'ai suivi les cours d'introduction à la théologie de Monseigneur Giussani au premier rang. Son génie est-il de saisir la personne dans sa relation avec le mystère comme son facteur constitutif, au-delà des circonstances, de sorte que le petit « moi » soit toujours en relation avec le grand « tu ». Qui faisait tout. Balthazar l'aurait dit de cette façon, le tout dans le petit, dans le fragment, et Coëlette le dit avec, il a mis la notion d'éternité dans leur cœur, sans qu'ils puissent la comprendre jusqu'au bout. De ce sens de la vie en relation avec un autre, Don Juice a saisi jusqu'au bout l'importance en tant que sens religieux. Et je répète, je suis étonnée d'être là parce que après mes années à l'université, une année de travail, je suis entrée dans le monastère où Monseigneur Giussani est venu un jour me rendre visite. Et en me laissant, il a écrit, je suis sûre, je suis en sécurité parce que je sais que tu es dans les mains du Christ. Et c'était tout. Mais tout s'est joué dans ce choix, dans cette reconnaissance d'une présence à suivre, une présence qui concrétisait le Christ que j'avais rencontré. Je ne l'ai plus rencontré, peut-être une fois, quand je suis venue à Milan, parce que mon père avait eu des problèmes, mais j'ai littéralement continué à boire tous ces mots. Et le choix d'une rupture nette était tout aussi clair que celui d'un choix qui se poursuivait sous une autre forme. Je n'ai pas essayé de m'accrocher aux mots et aux écrits qui m'avaient accompagné, mais je les avais en moi. Et à travers eux, j'ai pu rencontrer en profondeur la tradition de l'Église sous la forme monastique. Et j'ai pu vérifier qu'ils étaient la seule chose, la même chose. De temps en temps,
Je jetais un coup d'œil sur les événements et les mots qui circulaient dans le mouvement. Cela était suffisant pour voir la syntonie que j'avais toujours eue avec le mouvement. Il y a un détachement qui est éloignement et distance, et il y a un détachement qui est approfondissement et fécondité. Un détachement qui rassemble à ce semblant de mort dont parlait Donjus. Mais avant d'arriver au détachement, il y a un choix, une décision, une identification, une appartenance. Et enfin, le tout dans un dernier risque qui est le pas de la foi. Ce pas sur le gouffre de l'être que seule la liberté de la personne peut faire. L'expérience d'une amitié où la foi devient culture. Ce que j'ai pu vivre à l'Université catholique, c'est le choix d'un suivi volontaire et payant, payé. Le paradis de l'amitié où à chaque pas fleurit la promesse d'espoir, où dans la contradiction du présent, tout était plein d'espoir. Où on regardait la Russie et les chrétiens de la Russie qui étaient nos maîtres et notre modèle, et on regardait avec compassion et tristesse les soi-disant chrétiens anonymes. Père Scalfi était mon confesseur quand je ne trouvais pas juste. C'était rare. Mais j'ai appris alors, à ce temps-là, à vivre la confession une fois par semaine. Je montais à l'étage. Il vivait alors en face des religieuses dans rue Martinengo, où je vivais. Et de Jus et de Scalfi, j'ai reçu le mot « paix », le devoir de la paix, comme devoir d'un témoignage. Après l'âge de la décision, comme l'expérience de l'autorité. Mon séjour à l'université a été une période d'amitié et de discussions passionnées. Une période de présence à ce qui se passait. Une période d'intérêt passionné pour une tradition dans laquelle je suis née, mais que je ne connaissais pas, ou que je ne connaissais que par ce qu'on m'en avait dit. À l'université catholique, avec Melchior, Rovigi, Bontadini, on enseignait les démonstrations de l'existence de Dieu, on enseignait la somme de Thomas, et je ne sais pas si c'est encore le cas, les degrés d'amour de Saint Bernard. À l'université catholique, pour la première fois, j'ai entendu faire le nom de l'entreprise qui serait plus tard Bernard pour moi. Et les cours de Père Jus ont été le point unificateur de tous les cours à l'université. Unificateur en tant, au niveau d'intérêt culturel, en termes d'amitié. Il y avait le Père Luigi Negri, Massimo Camisasca avec le séminaire d'apologétique, Angelo Scola comme chef de la CLU nouvellement fondée. Mon amie Sylvia est restée à la statale, mais on partait ensemble rencontrer Don Jus. S'il y avait une question à poser, un conseil à demander, la joie d'une appartenance vécue qui coïncidait avec une présence significative dans la société. Pour moi, cela était important. C'était un aspect presque politique, même trop important. C'est le niveau auquel Don Jus corrigeait le discours de la compagnie en le ramenant toujours à l'essentiel. J'avais découvert que la foi chrétienne était le fondement désormais incompris des deux positions que mes parents représentaient, le libéralisme et le marxisme. Et qu'en tant que source incomprise, elle pouvait néanmoins mettre en valeur ce qu'il y avait de bon dans chacune d'elles. En allant au monastère, cela a certainement joué un rôle dans mon choix de ne pas rester au niveau de la controverse, dans laquelle je pouvais aussi être vif d'esprit et capable de dialectique, mais d'aller à ce fond où la vérité de chacun trouve son fondement. En fait, Don Jus se moquait de moi lorsque je venais le voir passionné, agité par des questions politiques. « La politique te détruit », il me disait. Pourtant, c'est précisément par lui que j'ai appris une autre présence politique qui s'est concrétisée plus tard au monastère. Tant de la foi qui s'est transformée en culture, non pas à cause d'un apprentissage théorique, mais à cause des questions qui ont donné lieu aux enseignements reçus et aux réponses qu'ils suggéraient. Ou plutôt, précisément à cause de cette conception de la vie comme une hypothèse de travail, comme le début d'une vérification,
Vérification non pas comme la position d'un spectateur qui se tient à l'écart pour voir si l'expérience a réussi, mais la passion de celui qui croit que ce qu'il vit de manière convaincante est de plus en plus vrai. L'expérience d'amitié avec les autres a coïncidé avec l'expérience d'une autorité paternelle et pour cela absolument respectueuse et libre. Je savais que dans la décision de la forme de vie, ce serait moi qui jouerais et je savais qu'il m'a laissé me mesurer à ce que je percevais comme mon destin, même s'il aurait peut-être préféré qu'il en soit autrement. Alors, je vais passer à autre. La fonction éducative d'une véritable autorité est précisément configurée comme une fonction de cohérence. Un accompagnement qui fait autorité ne vous tire pas d'affaire en vous donnant une réponse à préfabriquer. Il vous émerge consciemment dans le travail de l'existence. C'était ses leçons et c'était la relation avec lui. Je ne me souviens pas de grands discours. Heure de l'université, heure de la décision. Le choix était continuer à étudier ou bien me marier. J'ai rencontré le monastère dans lequel je suis entrée plus tard pour une personne qui est maintenant dans notre fondation en Syrie, qui nous a invités à son dressing. Nous étions ensemble dans une amitié ouverte et vraie. Je parle de gens comme Laura Cioni, Bernardo Cervellera, Nori Grassi, Claudio Dal Ponte, Alberto Rodere et Dorotea Fortunati. Nous sommes allés à Valserena pour faire une retraite d'études et les religieuses nous ont dit que nous avions été un petit peu trop indisciplinés. Je leur dis que je voulais partir en mission, mais de ce groupe, c'est moi qui suis entrée dans cette maison. Où, en entrant dans l'église, j'avais senti la présence qui m'avait appelée. Et où j'ai ensuite vu avec étonnement que là, il y avait vraiment tout. Rien ne manque à la vie humaine et tout ce qui existe la rend plus vraie, plus pleine. C'est pourquoi j'aime dire que le monastère est aujourd'hui le lieu qui garde l'écologie de l'humain. Un amour que j'ai appris de la personne de Jus. J'étais son chauffeur très souvent et c'est lors d'un de ses voyages à Milan que je lui ai dit que je pensais aller au cloître. Je participais à des réunions de vérification, mais presque immédiatement, j'ai eu l'intuition du monastère comme foyer définitif. Vitorchiano était l'idéal qui circulait, Valserena, l'église que j'avais rencontrée. La rencontre entre Don Jus et Sœur Christiana venait d'avoir lieu et dans la communauté de communion Libération nouvellement créée circulaient les paroles de Christiane et la lettre d'une certaine Monica qui m'avait tellement frappée que je m'en souviens encore par cœur. Je ne savais pas que je la retrouverais plus tard comme abbesse à Valserena. Et dans cette lettre, elle parlait de la conversion comme du passage d'une solitude ontologique en liberté de dire « je suis parce que tu me fais ». Est-ce qu'il est tard? Pour moi, l'expérience d'une ultime solitude par rapport aux questions que je portais à moi était vraie. Mais en rencontrant le Christ, j'ai senti que ce nouvel amour exigeait l'hommage du premier. Aujourd'hui, à mon âge vénérable, je peux témoigner que c'est vrai. La véritable affection, le véritable amour à l'éternité en lui, ou plutôt c'est cette parcelle d'éternité en lui qui rend l'amour vrai. Alors, un jour, je l'accompagnais en voiture, je ne sais pas où, j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai dit le mot réclusion, cloître. Et il n'a pas réfléchi pendant deux minutes et m'a dit, alors venez en Argentine. Mais pourquoi ça? Il y a un très beau monastère. Vous êtes un missionnaire. Complètement silence. Mais pourquoi est-ce que je dois dire que non? Même si ça me semblait fou. C'était 73, il venait de connaître le monastère Vitorchiano, fondé par Vitorchiano. Ma famille était complètement bouleversée par cette nouvelle position. Et maintenant, parler d'Argentine, c'était trop. Alors, je me suis décidée, mais je n'ai rien dit à la maison. Tout comme mes voyages en Toscane étaient justifiés par la visite de la propriété de campagne d'un ami non identifié. Pour revenir sur ce voyage, j'ai dû raconter un gros mensonge. J'ai inventé que j'allais préparer un livre avec le cardinal de São Paulo au Brésil pour IACA, pour qui je travaillais.
Je suis arrivée à l'aéroport et Don Jus m'a demandé « Mais vos parents le savent-ils ?» J'ai dit « Non, j'ai inventé quelque chose. » Alors, c'est si. Il était clair qu'il n'y avait rien à discuter. Puis, il a vu mon visage et nous sommes partis pour ce célèbre voyage. Don Jus, Don Ricci et moi. Et en Argentine, non pas au Brésil, mais au monastère, j'ai fait amitié avec Pidgey. Dans le livre, il y a une photo où on est les quatre. Moi, caché derrière Don Jus, on voit une mène, des jeans et des cheveux de moi. Et là, c'est moi. Je vais laisser de côté les détails de l'histoire qui ne sont pas essentiels. J'étais une jeune fille. J'avais l'idée que je devais aller dans ce mystérieux monastère de la Pampa argentine pour découvrir plus tard qu'il ne recevait à juste titre que des vocations locales et pour me retrouver à frapper à la porte de Valserena où je suis restée. Et je vais terminer par les piliers du monastère. Prière, vie fraternelle et travail. L'expérience du monastère a exalté et porté à maturité les semences que j'avais reçues dans le mouvement. En les reliant organiquement à toute la tradition spirituelle de l'Église, à la tradition théologique et philosophique que j'avais appris à aimer. Le tout en lien continu avec l'expérience vécue d'une passion pédagogique éprouvée d'abord sur moi-même et ensuite sur les jeunes qui m'avaient été confiés. La passion pédagogique est justement l'introduction à la réalité complète de la foi. Et ce n'est jamais seulement une relation personnelle, mais l'introduction par l'expérience personnelle à la vie de la communauté de l'Église, à la vie de la communauté de l'Église. C'est ce que les pères appellent le passage du moi au nous, non pas comme la fin, comme le but de la conscience personnelle, mais comme sa maturation ultime. Jus était l'exemple d'un charisme qui guide la hiérarchie. Une personnalité charismatique qui vivait le charisme qui lui était confié dans une obéissance absolue à l'autorité hiérarchique, mais aussi avec la capacité de suggérer, d'indiquer, de gouverner en quelque sorte, en un grand mot, dans une soumission absolue de la foi. Et Saint Bernard faisait la même chose, une expérience de renouveau dans l'unité fondamentale avec la tradition. Pour moi, tout était nouveau, tradition et renouveau, et je ne voulais rien jeter de ce qui m'était ouvert. Le monastère dans lequel je suis entrée vivait pleinement les soubresauts du renouveau post-conciliaire. L'autorité, la tradition et l'expérience personnelle constituaient un triangle vital que j'ai retrouvé en fonctionnement dans l'expérience du monastère. Exalté, je dirais, jusqu'à son plus grand potentiel. Et je vais terminer, parce que je crois qu'il est vraiment tard, construire l'Église en libérant l'homme, construire le monastère et garder et développer l'humanité. La conscience de la certitude. Je venais de deux traditions similaires et opposées, et j'en ai découvert une, la chrétienne, qui unifiait les deux autres et qui était leur fondement. Et j'ai ensuite rencontré la tradition cistercienne et bénédictine comme l'expression la plus mature de la conscience chrétienne. C'était comme voir se réaliser ce que l'expérience du mouvement indiquait comme but. Je me souviens bien de l'importance que Don Jus accordait à l'attention au moment de prière, au silence, au travail, à la liturgie comme une expérience vitale, comme la vie de l'Église. Je suis entrée au monastère et j'ai vécu ce que j'ai ressenti et je l'ai bien compris, mieux compris. La liturgie comme point de vérification et de relance qu'est la prière personnelle, le vis-à-vis avec le Christ auquel on s'était référé mille fois. Vis-à-vis qui devient alors hypothèse de travail, amour pour le vrai, le sens de l'être et de sa gloire qui brille dans la personne humaine. Dans la famille, dans la communauté, en étant père et mère, ce qui est précisément ce qui manque à notre société. Maintenant, je suis là pour témoigner non pas la beauté de la vie monastique, mais pour dire que là,
J'ai trouvé l'accomplissement de tout ce que, dans les premières années du mouvement, j'avais appris à désirer, avec le désir d'honorer la personne qui m'a le plus indiqué le Christ comme la fin ultime de tout et le seul problème de la vie. Merci beaucoup. Et maintenant, je donne la parole au professeur Weiler. Peut-être qu'il est fâché avec moi parce que depuis 7 heures du matin, il est arrivé ici au meeting pour raconter au public une émission à la RAI, à la télévision italienne, et il a parlé du meeting de Don Giussani et il est encore là à 9 heures du soir. Donc cela montre bien qu'il est notre ami. Voilà. Dans l'expo, professeur Weiler, et là j'en parle parce que j'ai été très frappée par ça, il dit que dans le message de Don Giussani, il a trouvé une invitation à avoir affaire avec le Christ dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est la pensée de Don Giussani, qui communique de façon universelle à tous ce message, cette invitation à avoir des contacts avec Christ dans notre vie quotidienne. Merci beaucoup, professeur Weiler, pour être là encore avec nous. Et après, vous allez nous raconter de la Pologne, mais même si ce n'est pas trop important. Excusez-moi, mais je suis encore un peu émotionné. Excusez-moi, mais ce témoignage m'a vraiment beaucoup touchée. Merci beaucoup pour vos mots. Il est clair et évident que le monde est partagé en deux. Il y a ceux qui ont eu la chance et la bénédiction de connaître personnellement Don Giussani, d'écouter sa voix, de regarder dans ses yeux, de voir son visage, de pouvoir faire un bout de chemin ensemble. Et puis, il y avait les autres, ceux qui n'avaient pas cette chance. Mais ce n'était pas quelque chose de fatal. Pourquoi ? Et là, je dis une chose, à prendre, disons, avec intelligence, parce que je prends la position des auteurs des évangiles sur Jean, on peut discuter. Et ils n'avaient aucune connaissance personnelle de Jésus, mais ils ont écrit leur évangile sur la base des récits, des histoires de ceux qui avaient eu une relation directe et personnelle avec Jésus. Et alors, ma connaissance de Don Giussani se fonde sur l'écoute de témoignages comme ceux de Mère Francesca, Emilia ou Vita ou Don Caron. Et aussi, je peux étudier sa pensée en profondeur, je peux lire ses œuvres et je lis aussi ses 1400 pages de biographie. Peut-être que je suis parmi les rares personnes qui l'ont fait ou peut-être les seules. Alors permettez-moi d'exprimer mon évangile, l'évangile de Don Giussani. Si l'on lit l'évangile de Jean et l'évangile de Marc, l'on voit un Jésus différent. Le Jésus de Jean est différent du Jésus de Marc. Et cela ne fait qu'enrichir notre connaissance de la personne, car
on voit la même personne de points de vue différents, avec des angles différents. Le Don Giussani que je voudrais vous présenter, c'est le Don Giussani perçu par Joseph Weiler, qui est différent par le Don Giussani perçu par d'autres personnes. Alors, je regarde la montre et alors j'ai essayé de, disons, résumer les résonances de la connaissance et de l'étude de Don Giussani en 7 propositions, car le numéro 7 est un chiffre sacré. Alors, première proposition. Lorsqu'on rencontre des leaders religieux, il y a deux types de charismes différents. On a, par exemple, un charisme cérébral profond qui réfléchit. L'histoire est pleine de ce type de charisme. Et on lit, on apprend beaucoup en lisant. On enrichit sa foi. Un exemple contemporain est Ratzinger. Le deuxième livre sous Jésus est vraiment incontournable. Lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu. Commencez aujourd'hui. Et puis, il y a un autre charisme. C'est un charisme qui dépend moins du mot, mais dépend plutôt du regard, de la voix, de la présence, de l'inspiration suscitée par quelqu'un, par son écoute. C'est un autre type de charisme. Et puis, il y a quelques leaders religieux qui arrivent à associer les deux types de charisme. Jean-Paul II, par exemple, une personne magnétique, mais aussi une personne profonde, et Don Giussani aussi réunissait ces deux types de charisme. Il n'a pas écrit de théologie systématique, mais il était un profondeur théologique profond. Et en même temps, en écoutant ce témoignage et en regardant ses propos sur YouTube, l'on voit qu'il était aussi magnétique. Pourquoi cet élément est-il intéressant? Ben, tout d'abord parce que c'est un élément intéressant, mais surtout car parfois je me suis demandé qu'est-ce que cela signifie qu'une personne a été, disons, touchée par tout ce qui est saint. Et je pense que ceux qui associent ces aspects clés du charisme sont touchés par le fait d'être saint. Et puis, c'est un modèle pour l'homme religieux, car l'homme religieux doit essayer d'un côté d'enraciner la foi dans la pensée, dans l'enquête intellectuelle, dans l'effort de compréhension. Mais cela ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi une spontanéité spirituelle consistant en la perception de la présence des dieux. Dans ce sens, Don Giussani est un véritable modèle. Et donc ça, c'est la toute première chose qui a retenti en moi. Deuxièmement, on parle beaucoup du défi éducationnel. Et c'est vraiment un défi presque abusé. Et on en a tellement parlé. Mais il y avait aussi le défi éducatif de Don Giussani. Et je vais être dur maintenant. Si vous posez une question à n'importe qui dans la salle, pourquoi est-ce que tu crois en ceci ou tu acceptes cela? La réponse sera car c'est Don Giussani qui a dit comme ça. Et alors, je vous assure que Don Giussani n'aurait pas aimé ce type de réponse. Et, ah oui, je le crois parce qu'il a l'autorité. Non, il croyait en la pensée. Alors, il faut toujours exercer sa propre pensée, réfléchir, intégrer ou même rejeter. Mais il faut que chacun appréhende sa pensée et formule sa pensée indépendante. Dans ce sens, Don Giussani a une influence de Kant. Tout doit venir de l'intérieur de l'individu et non pas d'un choix d'autrui. Et voilà, il y a un autre élément
toujours concernant le défi éducationnel de Don Giussani. Il avait sans aucun doute une personnalité complexe. Et est-ce que vous vous appelez du fait que Don Giussani était appelé le rabbin par ses disciples? Troisième élément. Troisième et quatrième élément, car ils sont rattachés. Tout d'abord, il y a une contribution essentielle de Don Giussani pour la personne de foi. C'est la présence. L'idée de Dieu, du Tout-Puissant, n'est pas une idée cérébrale, c'est une présence réelle qui doit caractériser la vie de chacun. Il faut percevoir cela et non pas seulement le penser. Mais vous connaissez cela, donc ce n'est pas la peine de trop s'attarder sur cette notion de présence. Mais le numéro 4, ma proposition numéro 4 est rattachée à celle-ci. La présence ne peut pas être seulement la présence à la messe, à l'Eucharistie de Christ. C'est un don que les catholiques peuvent avoir et sont bénis dans ce sens. Mais la présence doit être une présence quotidienne, au jour le jour, et pas seulement à l'intérieur d'une église. Et là, Don Giussani luttait contre les chrétiens du dimanche. Je suis chrétien le dimanche, et puis quand je vais au boulot, les autres ne le savent pas. Il ne faut pas éprouver de l'embarras dans ce monde séculaire par le fait d'être quelqu'un de religieux. Et ça aussi, c'est un enseignement de Giussani qui m'a beaucoup frappé et qui a trouvé en moi une résonance. Puis, numéro 5. Quand je pense à mes enfants, je dois constater qu'ils habitent dans un monde très différent du monde où j'avais habité et grandi. C'est un monde beaucoup plus d'incertitude, avec beaucoup plus de risques. Je me disais, quand j'étais jeune, je vais aller à l'université, je vais avoir une carrière professionnelle, et ainsi de suite. Et dans le monde d'aujourd'hui, penser à l'Ukraine, à la crise économique, c'est un monde qui fait peur. Nos enfants ont peur. Et même avant Jean-Paul II, Giussani avait écrit « N'ayez pas peur ». Et ça, c'est un enseignement primordial. Il ne faut jamais avoir peur. C'était le numéro 5. Proposition numéro 6. L'esprit gentil. La musique. Mais pas seulement, il n'est pas seulement question de musique, car Giussani, on le voit à partir de plusieurs choses, car il a mis en exergue l'importance de la beauté dans la vie. La beauté comme concept spirituel, comme concept religieux, la beauté comme façon de percevoir la présence du Tout-Puissant dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qui relève du christianisme et non pas de la culture juive. Donc, combien il est important de garder la beauté. Alors, une petite anecdote. Dans mon bureau, chaque jour, il y a de fleurs fraîches car la présence de la beauté est primordiale et cette beauté doit être accessible à tous et à toutes. Puis numéro 7, ça c'était numéro 6. Et voilà, cela ne va pas surprendre. Giussani, Don Giussani a aimé la Bible et il a même lu la Bible, pas comme beaucoup d'entre vous. Et il a écrit des choses magnifiques sur Jacob, par exemple. L'un des textes les plus profonds sur Jacob ont été écrits par le Giussani qui adorait la Bible. Voilà, j'ai terminé.
Monsieur le professeur Fabrice Ajaj a dit que il y a une démarche de d'Andjusani vis-à-vis de la culture qui est vraiment différente, car c'est la culture même qui nous parle de Christ. Il ne faut pas christianiser la culture. C'est ça qui rend possible le dialogue avec Leopardi, Pavese et même des écrivains français très célèbres. C'est ça qui permet ce type d'approche. C'est la culture elle-même qui nous parle de Christ. Et tout cela fait partie donc de la dynamique de la révélation. Alors, je désire en savoir plus et je voudrais bien que vous puissiez nous en dire plus sur ça. Voilà et merci pour être là à Rimini. Je vais m'exprimer en italien et même debout, donc deux miracles à la fois. Ce qui est étonnant en français, lorsqu'il découvre le mouvement Communion et Libération, c'est le rôle central qui joue la culture. Comme si les artistes pouvaient être considérés comme des prophètes. Cet étonnement est révélateur. Il montre à quel point le catholicisme français, qui peut paraître à bien des égards plus combatif que le catholicisme italien, reste néanmoins le plus souvent exculturé. C'est du reste cette exculturation qui peut lui conférer sa vigueur polémique, son caractère de résistance au monde ambiant. Depuis la loi de 1905 qui sépare l'Église de l'État, les catholiques français tendent à vivre une séparation de la religion et de la culture. Il possède de splendides cathédrales, mais c'est du passé. Sa foi ne sait plus rassembler les arts de son temps. Elle se contente d'exercices de dévotion ou d'action sociale. Les catholiques français n'ouvrent jamais un roman en tant que catholiques, à moins que l'écrivain soit un catholique patenté. Sinon, il ouvre un polar ou le dernier best-seller à la mode juste pour se divertir. Il écoute l'évangile, mais quand il s'agit d'aller au cinéma, il va voir les blockbusters du moment. Et s'il lui faut faire la promotion d'un ouvrage, il préférera les mauvais auteurs capables de présenter un certificat de baptême en bonne et due forme aux grands poètes dont les mœurs lui paraissent douteuses. C'est donc un spirituel et molarisateur, mais point un artiste. Quelque chose comme le meeting de Rimini n'existe pas en France. Quelqu'un comme Andjusani n'existe pas parmi les Français. Certes, en France, des gens d'église auraient pu inviter un Tarkovsky, un Ionesco ou un Aaron Appelfeld, mais ils auraient appelé cela dialogue avec le monde de la culture. Preuve que la culture est un autre monde, en dehors du leur. Les catholiques français, je parle des plus fervents, quand ils se tournent vers les artistes, c'est par stratégie ou par utilitarisme spirituel. Il s'agit de conduire les artistes au Christ ou de se servir de l'art pour annoncer la bonne nouvelle. Et de fait, l'important est de sauver les âmes.
non de produire des œuvres, car c'est la foi qui sauve, non les œuvres. Ces œuvres que l'on peut toujours suspecter de nous conduire à quelque idolâtrie. Le jeune Giussani séminariste commencé préférait aller faire oraison à la chapelle avec un livre de poésie plutôt qu'avec un traité d'ascétique et des mystiques. Il aurait pu se contenter de Dante, mais non, il prenait Leopardi, moins orthodoxe. Et que dire de sa passion pour la musique, et même la musique profane? Quand un Français ouvre le carnet de chants de communion et libération, il est surpris d'y découvrir Édith Piaf et même Fanchon, une chanson à boire pas vraiment vertueuse. Giussani était-il homme du compromis? Avait-il tendance à pactiser avec le monde, à aimer trop les créatures? Comment peut-on diriger des exercices spirituels en s'appuyant non pas sur Ignace de Loyola, mais sur Cesare Pavese ou Thomas Mann? Un Français de la communauté de l'Emmanuel, par exemple, qui se rend chez un membre de Communion et Libération, est surpris de ne pas trouver chez lui un coin prière avec une icône, un lumignon, un prie-Dieu. Au lieu du coin prière, il trouve une bibliothèque comme chez les Juifs, d'ailleurs. Il est vrai que le français a tendance à limiter la prière à un seul coin. Il a un temps pour faire ses dévotions et un temps pour se préoccuper du monde. À cette schizophrénie française, dont Giussani ne fait-il qu'opposer une non moins discutable confusion? Voilà ce que je ne pense pas. Il me semble au contraire que si Don Giussani dépasse les moralismes et l'utilitarisme spirituel qui affectent si fréquemment les Français, c'est en raison non d'une concession mondaine, mais d'une vraie profondeur métaphysique. Je voudrais commencer par lire un passage de Si può vivere così. C'est dans ce passage que j'ai découvert Don Giussani et que j'ai saisi cette profondeur métaphysique dont je viens de parler. Quand j'ai dit profondeur métaphysique, on pourrait croire à quelque chose de très abstrait. C'est le contraire. Quand la métaphysique est profonde, elle rejoint le plus concret. Elle touche à ce qui se retrouve dans tout être, même les plus ordinaires. Elle nous révèle une transcendance qui affleure dans les choses les plus banales. Ici, Don Giussani s'adresse à un garçon qui est amoureux d'une fille. C'est l'intrigue primordiale. L'homme et la femme et le don de la vie qui passe à travers eux. Et voici la question qu'il pose. Mon ami, la fille que tu aimes, de quoi est-elle faite? Elle n'est pas faite de polenta, elle n'est pas faite de cendre, elle n'est pas en or. Alors j'aime une fille tout en or. Oh là là, même si c'était de platine. La fille que tu aimes est faite d'autre chose. Elle est faite du Christ. Tout en lui consiste en les montagnes. Le corps de cette fille est réalisé dans un autre matériau, car à elle seule, elle serait nulle.
Et ici, de façon accidentale, l'on voit donc un mot de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 17. Cette parole prononcée comme en passant me semble être la clé pour entrer dans la pensée des Giussani et comprendre son ouverture poétique à toute la diversité du réel. Tout consiste en lui. Tu tombes amoureux d'une fille. D'où vient qu'elle t'attire? Tu peux certes penser que cela vient de son sex appeal, mais derrière son sex appeal, en vérité, il y a le Christ appeal, parce que tout en lui est consistant. Il existe. Sans ce Christ appeal, le sex appeal perd toute consistance. L'acte sexuel que tu vas rechercher s'effondre. Au lieu d'être ouverture à la joie de vie, par la communion, par la fécondité, il devient fuite devant l'angoisse de la mort. Au lieu d'être rencontre de cette fille en tant que personne, il devient étourdissement par la friction des muqueuses et bientôt le vide, le dégoût. Don Giussani continue en disant que dans la rencontre amoureuse, c'est toujours le Christ qui est le grand médiateur. Et c'est qui t'a fait trouver cette personne? C'est le seigneur du temps, qui est le patron du temps, c'est le maître de l'histoire. Qui va faire en sorte que la relation soit éternelle et sans cette relation, donc soit on n'y pense pas, et on est stupide, on est dupe, soit on meurt car on a sensation de suffoquer. Dès que le charme de la fille n'est fait plus qu'un un avec le charme de Christ, le désir se transforme en désespoir. Car il n'y a que Christ sauveur puissant sauver le désir. Seulement Christ le Seigneur peut en faire une histoire dramatique sans aucun doute, de fidélité prouvée, de lutte de tous les jours, de danse ainsi que de deuil. Mais une histoire belle et forte, une histoire consistante, un nom, un instant de jouissance qui conduit à un long dégoût, un dégoût qui va donc nous rejeter vers la prochaine jouissance brève comme vers l'oubli. Car sans lui, rien ne consiste. Ainsi, Giussani s'oppose à la grande erreur métaphysique, une erreur qui est aussi bien celle des athées que de fondamentalistes religieux. Quelle est cette erreur? La vision de Dieu et de l'homme comme la vision de deux concurrents. La vision de l'esprit et du monde comme de deux ennemis. Il faudrait toujours retirer à l'un pour donner à l'autre. Et il faudrait nécessairement abaisser l'un pour élever l'autre. Le Christ dit, je suis la voie, la vérité et la vie. Alors les uns vont dire, le Christ est la seule voie, il n'y a pas d'autre voie, tout le reste est en passe et perdition. Mais les autres vont immédiatement répliquer, pas du tout, il y a d'autres voies. Par exemple, il y a l'autoroute 14 pour aller de Bologne à Rimini. Et c'est une autoroute très concrète où ta voiture vient de rouler. Il y a aussi le chemin qui mène Roméo jusqu'au sous le balcon de Juliette. Est-ce que ce n'est pas une vraie voie vive, ça? Giussani répond que la voie qui mène à Juliette, c'est la voie du Christ. Les deux voies ne sont pas en concurrence, elles ne sont pas deux voies séparées ou contraires, parce que l'une n'existe que par l'autre.
si tu es vraiment attiré par Juliette, c'est le Christ qui t'attire à elle. Si tu veux vraiment Juliette, c'est le Christ que tu veux pour elle. Partout où il y a une vérité, même si c'est dans les pages d'un auteur athée, c'est la vérité du Christ. Là où il y a de la vie, même si c'est la vie d'une fourmi, c'est la vie de Christ, parce que tout en lui est consistant. Et si tu veux le célébrer, tu n'as pas répété « Seigneur, Seigneur » ou « Christ, Christ », mais chante, Juliette, parle de la fourmi, nomme ce qu'il y a de bon chez toi et chez cet auteur athée. Il n'est pas de concurrence entre le créateur et sa créature. Ils ne sont pas sur le même plan. Ils ne peuvent entrer en conflit. L'un est cause de l'autre. Et donc, aimer l'un, c'est aimer l'autre, et réciproquement. Tu aimes les poètes, alors tu aimes son poème. Tu aimes son poème, alors tu aimes les poètes. Et Dieu n'est pas seulement créateur, il est sauveur. L'aimer en tant que sauveur implique aimer les pécheurs. Et Dieu n'est pas seulement sauveur, il est Seigneur. L'aimer en tant que Seigneur signifie accepter d'être son intendant, d'agir par lui et pour lui, et de rassembler toutes les étincelles de sa lumière dispersées partout dans le monde. Ce que Giussani appelle la vérification ou la conformité du fait avec les exigences de notre cœur n'a rien de simplement psychologique. Il s'agit toujours de voir si ce que nous les faisons vraiment, si ce que nous cherchons a vraiment de la consistance, si la fille que j'aime, le pauvre que je aide, le livre que je lis, je l'aime, je l'aide, je le lis dans le Christ, comme une révélation particulière pour moi de son mystère, comme la suite de son histoire dans ma vie. Dans Giussani commence les exercices de 1997 par une ontologie. Preuve que son point de départ est métaphysique. Cette fois, il ne cite pas la lettre aux Colossiens, mais la première aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Dieu est tout en tous. Or, voilà qui est intéressant. Il traduit le verbe au présent, alors que dans le texte grec, le verbe renvoie à un futur. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, et Dieu sera tout en tous. C'est une autre dimension de la pensée de Don Giussani, c'est la dimension eschatologique. L'eschatologie n'est pas une simple pensée de l'après ou de l'au-delà. C'est d'abord une téléologie, une pensée de la finalité de toutes choses. Aristote dit que la finalité est la cause des causes. Pour comprendre ce que c'est l'homme, il faut regarder cela. Pourquoi il est fait ultimement. Or, l'homme n'est pas ultimement fait pour la conversion ni pour la morale. La conversion et la morale sont, sinon des moyens, du moins de fins intermédiaires. Ils ne sont pas de fins ultimes. Ce point est fondamental pour comprendre l'évangélisation et les limites de la perspective française spiritualiste ou utilitariste que j'ai mentionné au début de mon intervention.
Il faut convertir et se convertir, certes. Mais une fois converti, qu'est-ce qu'on fait? Il faut agir selon les vertus cardinales. Très bien. Mais une fois qu'on a atteint la perfection, qu'est-ce qu'on fait? Les vertus morales ou cardinales ne sont que de vertus charnières. C'est le sens du mot cardo, latin, charnière, pivot. Elles servent à ouvrir une porte. Mais une fois que l'on a ouvert cette porte et que l'on a franchi ce seuil, qu'est-ce qu'on fait? Ici, ici-bas, c'est normal, on s'intéresse au mouvement qui va de l'imparfait au parfait, du péché à la sainteté. Mais il faut aussi s'intéresser aux actes du parfait et dès ici-bas, manifester quelque chose de la, des actes de la vie sainte et bienheureuse et vivre déjà ce qui polarise ultimement tout notre désir. Sans quoi notre évangélisation ne se distinguera guère d'un simple clientélisme où l'on est heureux qu'il n'y ait plus de chrétiens sans savoir ce qui fait essentiellement, éternellement la vie du chrétien, c'est-à-dire la vie du Christ, c'est-à-dire la vie de la vie. Or, c'est cela qui se trouve au cœur de la pensée des Don Giussani. Quelle est la vie qui nous appelle et qui commence déjà ici-bas dans la grâce? Quelle est l'activité des bienheureux? Cette activité n'est pas le perfectionnement moral puisqu'ils sont déjà en Dieu. Alors quoi? Non plus le perfectionnement, mais la créativité. Non plus la morale, mais la musique. Et plus spécialement le chant oral, choral, pardon. On sait l'importance du chant pour Don Giussani et donc Communion et Libération. Cette importance ne consiste pas seulement en une présence, mais en une pré-séance. 5 minutes avant de la première messe du mouvement, le chant du mouvement a vu le jour. Le début de ce chant, c'est le début du mouvement. Il n'y a aucune différence. Le mouvement naît et on chante. C'est comme un enfant avec sa maman. Le chant apparaît 5 minutes avant de la première. Comment est-il possible? Comment le chant pouvait-il être là avant le chanteur? Avant que le premier membre de la chorale se rassemble et fasse entendre leur voix. Ce que j'ai mentionné précédemment permet d'accepter l'énormité de cette affirmation. La préscience de la musique sur les mouvements, c'est-à-dire la préscience de la musique sur la morale. La musique est venue avant parce qu'elle viendra définitivement après, parce qu'elle correspond à l'attraction ultime, à l'appel des choses, à l'appel de la vie éternelle. Chanter la gloire des dieux dans ses créatures est la finalité de toutes choses. Et donc, cette fin est déjà là en puissance, comme ce qui est à l'origine de tout le dynamisme de l'existence. Voilà pourquoi Giussani parle de la musique comme de la plus grande expression du cœur et de la communauté humaine, et donc comme de l'élément de l'atmosphère de toute mission. Aucune expression des sentiments humains est plus grande que la musique. Au début de mon allocution, je dis qu'il n'y avait pas de Don Giussani parmi les Français. Mais en fait, je dois me corriger. Il y a Paul Claudel. Mais Paul Claudel est un poète
il n'a pas fondé de mouvement. Voilà ce qu'il écrit et qui me semble très jussanien. Passez-moi le terme. N'empêchez pas la musique. Quelle musique? Celle d'abord de ses concerts qu'est la vie humaine, où nous n'avons pas de choix pour occuper notre place, petite ou grande. Nous ne sommes pas des cigales qui crient à tue-tête, accrochées à l'écorche d'un pin pendant la longueur d'un jour d'été. Nous avons à faire attention à ce qui se passe autour de nous et une bonne part de notre destinée dépend de la finesse de notre oui, de la qualité de notre intelligence et de la virtuosité de nos réflexes. Je retiens cette phrase, nous avons à faire attention à ce qui se passe autour de nous, car notre époque s'inscrit toujours dans la grande symphonie dramatique de l'éternel, dont la Bible et la tradition nous fournissent la clef. Sans cette clef, c'est la cacophonie ou la rengaine monotone. Cette remarque me conduit à une critique qui convient de faire à tous les disciples qui finissent par trahir leur maître à force de fidélité fossilisatrice. Les disciples de Saint Thomas d'Aquin, au lieu d'être des fils de Saint Thomas, des filles, pardon, de Saint Thomas, dégénèrent en thomistes. Ils deviennent des perroquets du maître au lieu de faire comme lui, de penser à partir de son héritage, en se confrontant aux questions contemporaines, en s'intéressant aux penseurs de leur temps. De même, le danger ici, c'est de répéter Dondjusani, comme Joseph Heiler le disait. Si le père voulait stériliser ses fils et les empêcher d'avoir leur propre aventure et leurs propres enfants. À vrai dire, lire et relire sans cesse le sens religieux, sans faire attention à ce qui se passe autour de nous, c'est perdre le sens religieux. Si Dussani a chanté si juste dans les concerts de son temps, avec une justesse qui permettait de révéler des harmonies là où les autres n'entendaient que des dissonances, c'est parce qu'il a fait attention à l'œuvre des dieux, à son inventivité passée et présente. De même, si nous reconnaissons en Dondjusani un exemple et un père, nous devons aussi apprendre à recevoir son coup de pied au derrière, c'est-à-dire à lui tourner le dos pour aller de l'avant et reconnaître le Christ partout où il se cache aujourd'hui. Merci. Merci. Merci Fabrice pour voilà cette lecture de Dondjusani, très vaste et très riche. Il y a une image de la fin des années 90 qui est devenue une icône, une image iconique pour beaucoup d'entre nous et aussi pour vraiment
d'autres personnes, c'est l'image où M. Dankariki accompagne Don Giussani sur la place Saint-Pierre en face de Jean-Paul II. Et monsieur le professeur Karikiri, c'est la personne qui a accompagné physiquement et métaphoriquement, symboliquement, Don Giussani pendant ses petites promenades, mais aussi accompagné Don Giussani pendant plusieurs années dans son expérience très longue de service à l'intérieur de l'Église catholique. Merci pour votre allocution. Il y a plus de 60 000 membres de la Fraternité des Communions et Libération qui peuvent mieux que moi pour donner un témoignage sur la vie et l'œuvre de Don Giussani dans le centenaire de sa naissance. Et il y a 1 600 membres qui, mieux que moi, peuvent le faire parce que le charisme que le Saint-Esprit a donné à Don Giussani les a amenés à suivre le Christ dans le monde. Don Giussani nous a enseigné que l'expérience de cette appartenance est très précieuse pour comprendre et vivre le charisme. Et ce n'est pas eux les co-responsables pour montrer avec leur vie, qu'est-ce que cela signifie d'adhérer au casisme. Je ne peux pas parler du génie éducatif de Don Giussani et même pas je peux me concentrer sur ses intuitions et sur ses idées théologiques parce qu'il y a d'autres personnes qui l'ont fait avec beaucoup plus de connaissances par rapport à moi. Et nous l'avons écouté dans ce meeting à plusieurs reprises. Je peux seulement raconter mon expérience de rencontre avec la personne de Don Giussani, avec un chrétien, un prêtre extraordinaire, qui avait la gratitude dans son âme. Je me rappelle que quand je suis arrivée de l'Uruguay pour travailler au Vatican, j'avais 26 ans à cette époque, un monseigneur m'a donné un conseil qui a été toujours très important dans ma vie. Il m'a dit, suis ce qui est recommandé dans le livre proto-apostolique de la Didache, qui dit, regardez le visage des saints et apprenez de leur témoignage. Et j'ai servi 5 saints de Saint-Pierre. Et j'ai regardé toujours le visage de Lidice, ma femme. Je rappelle aussi des prélats, des monseigneurs, pendant les 48 ans que j'ai travaillé au Saint-Siège. Mais il n'y a pas d'autres rencontres qui m'ont signé si profondément comme la rencontre avec Don Giussani. À ce temps-là, c'est dans l'Église, il y avait beaucoup de réalités qui ont été appelées mouvements, les nouvelles communautés, et que pour Jean-Paul II ont été encouragés comme une réponse de la Providence. Grâce au Saint-Esprit, pour mettre en œuvre le renouvellement du Conseil Vatican II, parce qu'il fallait communiquer de façon convaincante l'Évangile de Christ dans le monde entier. Vu les grands changements en cours et vu le fait que le christianisme était en train de changer. Très longtemps, Saint Jean-Paul II, dans son attitude paternelle, a demandé au Conseil pontifical pour les laïcs d'accueillir ses idées et de l'écouter dans un esprit de dialogue fraternel pour encourager leurs dons et leurs fruits de grâce et non pas de se concentrer sur leurs contraintes. Éloigné de ses sentiments de manque de confiance.
qui caractérise beaucoup de membres du clerc. Cardinal Joseph Ratzinger, son grand collaborateur, père de l'Église, pape Bénédicte XVI, a été parmi les premiers à apprécier comme signe de vie et d'espoir l'épanouissement de charisme et la création de nouvelles réalités. C'était un don pour les nouvelles générations d'hommes et de femmes qui sont en train de redécouvrir la gratitude, la joie et la beauté d'être chrétien et qui en donne témoignage. On peut penser à son homélie à l'occasion de la naissance de Don Giussani. À ce temps-là, quand on a compris la fraternité de Communion et Libération, j'ai pu rencontrer Don Giussani. Le premier geste, la première chose que j'ai vue, c'était l'humanité. Le fait qu'ils s'intéressaient à ma vie, à ma famille, à mon travail. C'était comme dans cette rencontre, la charité de Dieu me touchait le cœur. Il m'a parlé de mon travail. Il ne me parlait pas en fait de mon travail, de le conseil pontifical. Dans ces rencontres, pour lui, j'étais la personne la plus importante du monde. Sa passion pour l'homme se voyait dans la passion pour ma personne. Donc, son humanité extraordinaire et aussi le fait que j'entendais les autres rencontres. Et après les lectures passionnées de ses livres, et après j'écoutais ses leçons de les exercices de la fraternité. J'écoutais ces leçons et chez moi et ma femme, cela a mené à une joie. Il y avait quelque chose qui bougeait dans notre cœur. C'était quelque chose dont on avait besoin, qu'on attendait. C'était comme une tempête qui arrête le calme. C'était une présence. C'était la passion. Il avait la passion quand il parlait de l'Évangile. Il avait une passion dans la façon dont il parlait. Il était très logique dans son raisonnement. Alors, je pouvais penser d'être peut-être un laïc adulte. Même le sous-secrétaire d'Andicaster, et je pouvais penser que j'étais déjà un bon chrétien. Mais j'ai vu, j'ai eu une surprise, mais j'étais même enthousiaste, parce que ces rencontres me faisaient comprendre l'événement chrétien, qui était plus raisonnable, qui était plus beau, qui était plus attrayant pour ma vie. Et qui m'éduquait à avoir une approche chrétienne dans toute ma vie. Moi, tout d'un coup, moi qui devais aider le Dicaster pour comprendre les nouvelles réalités, tout d'un coup, j'ai dû réfléchir. J'ai dû comprendre. Qu'est-ce qui signifie d'être chrétien dans ma vie et mon travail? Je me suis laissé provoquer par des témoignages de vie chrétienne, de vie évangélique, de dons de charité, de l'importance de l'élan missionnaire. Pour cela, je peux dire que cela m'a aidé à mieux vivre mon service au Saint-Siège. Mais j'ai reçu beaucoup plus de ce que j'ai donné, qui était très peu. J'aime bien aussi rappeler quand j'ai rencontré Lubitz, le prophète de l'unité.
la charité pleine de tendresse de Don Bensi et le rappel à la prière aux pauvres du maître Andrea Gleccardi et les autres amis de la communauté de Sant'Egidio, l'élan missionnaire des Brésiliens de la communauté Shalom et beaucoup d'autres. Comme la figure de Martha dans l'Évangile, j'étais occupée et j'étais préoccupée et je devais toujours résoudre des problèmes. Et j'étais rappelée à rencontrer à nouveau le Christ, qui est le fin ultime de notre vie et de notre travail et de mon service humble au serveur du seul Seigneur. Don Giussani a écrit une lettre à la fraternité, et Roberto l'a rappelé, où il a dit que ce qui s'est passé le 30 mai dans la rencontre de Jean-Paul II avec les gens et avec les membres de plusieurs mouvements, dans cette rencontre avec le pape, cela a été la journée la plus importante de notre histoire. Même pour moi, cela a été l'une des journées les plus importantes de mon histoire et de mon travail de 48 ans au service du Saint-Siège. Tout le monde se rappelle les mots avec qui Don Giuse a terminé son propos. Le vrai protagoniste de l'histoire est celui qui demande, le Christ qui demande le cœur de l'homme et le cœur de l'homme qui demande le Christ. Don Giuse a monté les escaliers, il s'est mis à genoux devant le pape et il a compris l'importance des dons charismatiques qui renouvellent l'Église dans sa constitution divine, comme le rappelait le contexte du Concilium Lumen Gentium, de la tradition chrétienne. Le Saint-Esprit qui parle et provoque Pierre et la vie. Les différents charismes qui se soumettent aux pieds du successeur de Pierre, le pape qui est guidé par l'esprit dans l'unité de la vérité et de la charité, cet esprit qui l'amène à reconnaître avec gratitude ses œuvres en tant que maître des âmes. On peut lire le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le juin 2016, Juvenitis Ecclesia. Il est plus facile de parler de cette co-essentialité que de la mettre en œuvre. Si un cardinal a affirmé dans une conférence que la pneumatologie ne se trouve pas dans beaucoup de processus ecclésiales où on n'a pas le regard pour comprendre le Saint-Esprit et tous les dons qu'il fait à ses fidèles. Aujourd'hui, dans le chemin synodal pape François, il est plus que jamais important l'écoute à l'esprit d'unité et de pluralité de formes qui est exprimé dans la vie des chrétiens. Ce centenaire de la vie de Don Giussani n'est pas seulement, ne doit pas être une apologie de votre fondateur. Il ne faut pas seulement parler de son absence. Mais il faut avoir la mémoire vivante de sa présence. Lui, il est présent avec nous plus que jamais. Il est présent avec nous plus que jamais. Il vous accompagne dans la communion des saints. Mmh.
Don Giussani est en train de travailler pour vous en face de la Sainte Trinité. Il est en train de parler à la Mère Vierge. Prends-toi soin d'eux, comme ça personne ne va pas se perdre dans leur chemin. Au ciel, dans le ciel, Don Giussani attend que vous êtes fidèle à votre charisme, à votre don pour le vivre avec un nouveau engagement et dans la rencontre avec Christ. Pour reprendre une très belle histoire de carité, de culture et de mission de laquelle vous devez être fier. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire à Don Jus dans son centenaire et dans son centième anniversaire, il va l'apprécier beaucoup, je suis sûre, c'est d'être uni, c'est votre unité. Unité avec qui a été élu de guider maintenant le mouvement. Parce que c'est le diable qui sème les conflits. Et unité qui est ancrée dans l'obéissance au pape, qui est le custode de votre charisme. L'obéissance à l'autorité ecclésiale et au pape pour Don Jus était incontournable. Je le rappelle toujours dans sa relation avec le Saint-Siège, comme le rappelle le cardinal Angelo Scola quand il écrivait, et il avait une obéissance libre, il parlait directement. Avec l'autorité ecclésiale, il n'avait pas de relation politique. Il était très libre, il était très humble. Avec qui il posait des questions, il écoutait les réponses, il faisait des objections, il demandait des conseils et il donnait des solutions courageuses. Mais il obéissait toujours. Cet anniversaire ne peut pas mener seulement à la nostalgie, aux plaintes, aux conflits. Don Giussani ne les a jamais aimés. Il faut demander la grâce dans toutes vos communautés pour renouveler la saison d'épanouissement charismatique, d'appartenance enthousiaste, d'éducation continue, de fantaisie de la charité qui caractérise et a toujours caractérisé votre mouvement. Je rappelle qu'en 85, le pape vous invitait à développer votre mouvement et renouveler l'enthousiasme de ses origines. Il répétait l'invitation à renouveler la découverte du charisme qui vous a toujours caractérisé et qui vous amènera à servir le Christ. Aujourd'hui, pour grâce de Dieu, le pontificat de pape François est en train de déstabiliser et interpelle pour aider à aller au-delà de la fatigue, pour ne pas se contenter de ce qu'on considère comme acquis. Pour éviter que la force du charisme devienne une habitude, pour continuer à être dynamique et non pas se limiter à être une association, pour continuer à être libre et responsable. Et surtout, pour ne pas appauvrir la présence d'une réalité qui est votre mouvement.
C'est ça, des corrections nécessaires et adéquates. Je crois que vous êtes appelé à une nouvelle phase de votre histoire. Vous devez développer le charisme de Don Jus avec une nouvelle créativité, avec un nouveau engagement à la lumière du magistère pontifical dont on a besoin dans cette période de pandémie, de guerre, de chaos, parce qu'on a besoin de fraternité et d'espoir. Et Pape François du Canada nous a dit il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à l'enthousiasme des actes des apôtres, à la beauté de nous ressentir des instruments de la fécondité de l'esprit. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est le temps de le faire. Parce que le charisme de Don Jus, qui se montre toujours, qui est toujours utile, qu'on voit dans tout le bien qu'il a sémé et qui va au-delà des frontières de votre fraternité, qui est un héritage pour l'Église, pour que cela puisse continuer à générer des disciples et des missionnaires, où on voit le témoignage de la beauté des saints, votre témoignage. Merci. Siamo andati. On a dépassé un peu le temps que l'on avait prévu, mais je pense que l'on a bien savouré les mots que l'on a entendus et pendant cette soirée consacrée à Don Jussani à Rimini. Et je dois dire que ça, c'est mon sentiment, mais je pense interpréter les sentiments de vous tous qui vous êtes restés attentifs pour écouter cette multiplicité de voix pour ce Jussani son. Alors, je vous demande s'il vous plaît donc d'applaudir les invités qui nous ont accompagnés ce soir tout au long de ce voyage au cœur de la pensée et des mots de Don Jussani, Mère Marie-Francesca Righi, les professeurs Joseph Eichel, le professeur Ajaj et le professeur Guzman Karikeri. Ce soir, on a confirmé une fois de plus combien on a besoin du meeting pour avoir des occasions comme celle-ci. Et le meeting a besoin de nous. Et je ne vais pas trop m'attarder. Il y a donc des guichets pour vos donations un peu partout. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une très bonne nuit. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. We'll be right back.
aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti colpiti da una curiosità sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido.